Oui, voilà, de retour. Les 73, du coup, ouais, désolé, j'ai mis un peu de temps avant de répondre. Là, j'étais pris là sur le PC. Ouais, les 73 de lundi 33. Ouais, je comprends pas d'accord là-dessus, c'est Sphinx. Sphinx, j'ai pas compris, c'est ça? Sphinx, Sierra, Papa, Lucia, Philo, Echo, Sphinx. Ok, les 73-51 retournés, ça fait un moment que c'est vrai que là au QRH je module pas beaucoup, je suis entre le boulot, le ceci, le cela, le ainsi de suite, mais je suis souvent à l'écoute derrière, être à l'écoute évidemment ça fait pas prendre le micro. Là j'étais en train de faire un truc puis je me suis dit putain merde, il faut quand même que je prenne le micro, que je montre quand même qu'il y a du monde. T'es sur Coutrin là? Ah bah ça va, ça arrive à passer de mon côté. Je dis ça parce qu'il y a quand même une colline entre nous deux. Hein. Et en général, tout ce côté-là, tout ça, ça passe mal moi ici là. Ah, je suis pas encore arrivé, hein. Je suis sur l'autoroute, je suis à 21 km de Coutrin. Ok, d'accord, ben, c'est du Santiago 5 là de mon côté. Si je t'arrive petit, tu me le dis. Hein. Ah, je t'entends, j'ai pas la vue sur le SMS pour dire à combien tu arrives. Oui, je t'entends bien. Ok, bon, d'accord, on va garder comme ça. Quoi. Là, je suis en petite moyenne puissance. Ouais, voilà. Quoi. Bon alors, tu te balades aujourd'hui, assis. Ouais, comme tous les jours. J'en profite pour faire de la radio, comme je suis équipé comme mobile. Ah bah oui, bah t'as bien raison. Mais perso, il est vrai que je préfère, j'ai une préférence pour moduler en mobile plutôt qu'au QRA. C'est tout con. Disons que en mobile, eh ben t'as rien d'autre à faire que conduire. Donc ok, voilà. Que au QRA, de toute façon, on a beau tourner ça dans tous les sens, on a toujours un truc à faire. Et se diviser, c'est compliqué. Ah, c'est sûr. J'ai de la chance de t'avoir parce que. Ah ok, d'accord, parce que je t'avais répondu à un premier coup, puis bon, pas de réponse, bon j'avais vraiment la puissance au mini, parce que bon tu m'arrives assez bien quand même, bon j'ai remonté un peu plus, ok bon bah là ok d'accord. Ouais, remarque, le bon côté des choses, c'est qu'au moins t'es sûr qu'il fonctionne. Ouais, mais c'est anti-pilant. Ouais, tu m'étonnes. Attends, j'attends deux secondes. Je reçois un SMS, j'espère que c'est pas le boulot. Alors, attends deux secondes, vite fait, c'est quoi ça? Oh, une connerie, ça doit être du spam, je pense. Vous allez perdre vos droits, patin, couffin. Oui, d'accord, mais comme j'ai rien demandé, hachis trois coups, voilà. Bon alors, et tu profites du mauvais temps de la flotte, là, de la région, alors? Ah ouais, je profite surtout de mon retour. Ouais, bon, c'est vrai que c'est pas terrible aujourd'hui. J'avais quelques trucs là à faire dehors, c'est... Niette, c'est pas la peine. Comme là, là dernièrement, je me suis amusé à mettre une filaire là sur mon toit, un long fil. Voilà, c'est plus précisément ça.
qui doit faire 41,60 m, je crois, si je me souviens bien du calcul que j'ai fait. Mais bon, pourtant j'ai calculé là, pour la bande CB, multiplié par 4, hein, vu que c'est un long fil. Et visiblement, il me faudrait un bon homme pour mettre entre. Alors, j'ai regardé comment ça se fait, tout ça, c'est assez compliqué. Je voulais faire d'autres tests, monter sur le toit, mais là, c'est même pas en rêve. Là, ça. Non, ça attendra. J'ai d'autres trucs sur le. En projet, là aussi, là, à faire, comme. Je sais pas si tu te souviens, en 2018, j'ai fait un clip vidéo où dedans t'as plein d'images, de posts et tout ça là qui arrive, qui passe très vite et tout ceci, plus un commentaire que j'ai mis derrière, des passages d'écoute sur la CB, des trucs comme ça. J'avais fait tout un montage, un truc comme ça. Là, je vais m'en refaire un autre, un petit peu différent, mais tout aussi rythmé. Et justement, je voulais faire là aussi quelques prises de vue là en extérieur, au niveau antenne. Mais bon, bah là aussi, ça va attendre. Mais là, si ça te dérange pas, là, je suis en train de faire une petite vidéo, là. Justement, comme ça, tu verras, là, comment ça marche. Voilà. Mais bon, pour le clip que je vais faire, là, je prends le temps, hein. J'ai déjà trouvé, parce que je suis pas du tout musicien, donc j'ai déjà trouvé la musique libre de droit que j'ai besoin pour ça. Elle est pas mal. Et c'est au niveau visuel quoi, où là je vais me lâcher sur les effets spéciaux, des trucs comme ça là, avec mon logiciel que j'utilise, hein. C'est faut que j'arrive à faire un truc là qui marque. Voilà, un truc qui marque, qui interpelle quoi. Ben je faut que je travaille là-dessus, là, que j'ai plusieurs. Alors les idées en tête, alors là ça fuse dans tous les sens. Mais bon, pour l'instant, là j'ai déjà récupéré, j'ai déjà fait quelques petits plans. Parmi les plans, je vais simplement t'en dire un seul. J'en ai un où tu vois la caméra qui vient se rapprocher de la station en faisant une vrille. Tu vois, des trucs comme ça. Et après, ça va être au niveau du logiciel, là où je vais mettre certains rendus, certains trucs. C'est pas les idées qui manquent. Et au niveau antenne, c'est pareil, j'ai des plans à faire, à venir. Pour l'antenne fixe, j'ai envie de venir là au niveau du bas, tac, et puis hop, monter sur l'antenne, tac, tac. Mais bon, faut que ça aille très vite tout ça. La voiture, je vais venir toi comme si je zoomais sur l'antenne. Mais là aussi, il faut que ça soit toi des plans assez rapides. C'est j'ai plein de trucs là, plein de trucs en tête. Voilà, là t'es en train de te rapprocher de Koutra. On voit que là, plus ça, plus t'es caché là par la colline là qui est entre nous deux. Ouais, voilà, je viens de monter un petit peu plus. Là, ça devrait, ça devrait le faire. Voilà, ok. Attends que je fasse pas le con non plus. Voilà, ok. D'accord, ok. Voilà. Là, voilà, ok. Attends deux secondes. Ouais, ok. Voilà, comme ça va le faire. Ouais, c'est bon. Là, ok, je peux forcer plus.
Non, c'est on est en AM en plus. Non, je vais aller doucement. Voilà, ok. Bon, là, tu dois. Normalement, ça doit passer quand même. Bon, par contre, moi, là, je suis en train de te perdre complètement. Là, t'es parti complètement dans les choux. Heureusement que j'ai pas beaucoup de QRM, là, ce matin, là, de mon côté. Bon, ben, tant pis, on va arrêter là. Je suis content de t'avoir eu en fréquence. Les bonnes sont 1351 à toi. Bonne route. Profite bien de ton repos. À plus. Ah, ben, ça remonte. Ah ben attends, ça remonte. Ok, bon, c'est bon, on continue. Bon, je te le dirai quand tout à l'heure, je t'étais vraiment parti, là, je t'entendais à peine, je commençais vraiment à te perdre, à t'entendre à peine. Puis là que ça remonte. Ok, on continue, Hachi. Ouais, bon d'accord, c'est en train de faire le yo-yo. rond-point dans Koutra, c'est ça? Bon ben d'accord, je sais pas si toi tu m'entends encore, mais moi je t'ai complètement perdu. Bon, c'est pas grave, les bonnes sont 1351 à toi, content de t'avoir eu en fréquence, bonne journée, profite bien de ton repos, à plus. Bon, ça a réussi à passer un tout petit peu là sur le dernier passage. Ok, bonne journée, merci pour ce petit QSO. Ce que tu m'as dit, ça devait être certainement très intéressant. Ah, je suis trois coups. Je t'ai entendu, je t'ai vaguement deviné, je t'ai deviné derrière. Mais bon, c'est pas aller plus loin. Là, de ce côté-ci, de toute façon, je m'y attendais. Hein. Toutes les stations qui sont au nord, nord-est, est, sud-est, de mon côté, c'est pas la peine, ça passe pas. Quoi. Ou difficilement. A plus! Il est en train de parler, je crois. Alors, il n'y a pas un convoi exceptionnel, quelque chose par là. Non. C'est. Ou alors, c'est les stations locales. Enfin, locales éloignées. Ah, ils sont FM. Alors là où c'est marrant, c'est que début des années 80, quand la loi est passée pour les 22 canaux FM, tout le monde a boudé la FM. Enfin, tout le monde, ou presque. Puisque moi j'ai commencé en 81. Mon premier poste a été justement à 22 canaux FM. Oh, c'est éclaté bien dessus. Mais bon, la grosse majorité des gens restaient du coup en AM. Donc évidemment, c'était du matériel non homologué, ceci, cela, ainsi de suite. Et là, depuis ces dernières années, il y a un nouvel engouement vers la FM. C'est... Alors là où c'est marrant, c'est que après l'avoir boudé à une époque, maintenant tout le monde se jette dessus.
Non, je sais pas. Non. Il y a quelque chose qui traîne là par là. Trop faible de mon côté. Ici, on a une fréquence BLU, fréquence d'appel. Alors, il y a souvent les Américains, Canadiens et d'autres pays qui viennent là. Donc pour ceux qui ont que 40 canaux en multimode, ils peuvent très bien lancer des appels ici. Il y a une autre fréquence BLU qui est aussi sur les 40 canaux. Alors c'est le ok, 2705. Là ici. Alors celle-là, alors c'est quoi? Le canal 4, hein. Ok. Alors certains tentent de la réactiver. Elle était surtout utilisée dans les années 70. CQO, CQO, CQDX, à appel de 14 km 3301 opérateur Rémi, qui lance appel depuis le sud-ouest France, le département de la Gironde. CQO, CQO, CQDX, appel de 14 km 3301 opérateur Rémi, qui lance appel en fixe depuis le sud-ouest France, le département de la Gironde. Alors pour avoir plus d'infos, allez sur le forum La Planète Sibi Francophone. Là, vous verrez dans la rubrique la CB en général, qui est l'une des premières rubriques. Justement, des OM sont dessus. Après, là, il est quoi? Il est 10h. Évidemment, c'est pas gagné. Quelque chose là. Je sais pas. Attends, t'es là. CQO, CQO, CQDX, appel de 14 km, 3301 opérateur Rémi, qui lance appel en fixe depuis le sud-ouest France, le département de la Gironde. Ça fait des bruits bizarres dans le lointain. CQO, CQO, CQDX, appel de 14 km, 3301 opérateur Rémi, qui lance appel depuis le sud-ouest France, le département de la Gironde. Bon, faut dire aussi que je lance appel au moment où il n'y a pas de propag. Cherchez l'erreur. Ah. Voilà. En BLU, ouais, j'ai davantage de QRM. C'est pas grave.
J'irai voir sur SolarHam, voir ce qu'ils mettent un peu, voir s'ils ont des infos côté soleil pour savoir ce qu'on pourrait avoir dans les jours à venir. Mais c'est vrai que là en ce moment, l'activité solaire est assez basse. Hein. Donc forcément, la propague avec. Eh bien, le local, c'est pas mal. Et je fais des verres. Bon, ben, je vais rester là-dessus pendant que je suis occupé ailleurs. Ça couine, ça couine, ça couine. Ah, la station qui fait des essais, là, ça. Je suppose que tu as dû l'entendre de ton côté aussi. Là, ça couine méchamment. Bon, maintenant, s'il répond pas, c'est normal. Quelque chose dans les environs. Bon, c'est pas grave. J'aurais pas un accès direct, au canot Alpha, au canot Bis, que lui je l'aurais pas entendu. Comme quoi, faut vraiment fouiller partout. Alors, 11h05. C'est pas pour de suite.